une fourmi. Je la voyais pas aussi noire, avec une bouche aussi rouge, un air aussi vicieux et des yeux aussi brillants. Voilà. Merci Jacques Higelin, je vous envoie sur scène à la Cigale. Allons-y. Ouais. Se calamine et souvent tombe en panne. 24 heures sur 24, mon cœur bat, bat mon cœur. Et quand il tombera en panne, surtout ne t'inquiète pas, car le tien continuera de battre comme le cœur de mes frères, d'amour et de colère bat à travers le mien. Oh, oh, babe, la mort est toujours proche. J'ai des trous plein les poches et le cerveau qui résonne comme une vieille cloche. Stéléo, babe. Oh, babe, la mort est toujours proche. La mort est toujours là. Je comprends pas ce qu'on me reproche, ni qui je suis, ni ce que je fous là, mais babe, la mort est le berceau de la vie. Laisse-moi te rouler une galoche à la santé de l'amour fou, pour compenser toutes ces taloches que la vie a filées à mon papa. Garde le feeling au bout des doigts, au bout des seins, au creux des hanches. Et laisse-le monter sur mes planches, surtout ne le retiens pas. Loin des nostalgies résignées, fais par ta grâce et ta beauté. Et joli, s'éclater sur le bois de mes planches, frapper du pied, claquer des doigts, chanter la folie, la jouissance, l'amour de la vie, digne et joli, oh, oh, oh. Jusqu'à ce que mon cœur flanche. La mort est toujours là, j'ai les trous plein les poches et le cerveau qui résonne. Oh babe, oh babe, la mort est toujours proche, la mort est toujours là. Je comprends pas ce qu'on me rapproche, ni qui je suis, ni ce que je fous là, mais babe, la mort. La mort est le berceau de la vie. Thank you.
Bravo. Excuse-moi, j'ai été un peu long, mais tu sais, j'ai été retenu par des amis. Alors, je ne pouvais pas rentrer avant. Ma fille qui le regarde, qui dit « mon salaud ». Non, j'étais avec des potes, puis on s'éclatait vraiment, je n'ai pas pu rentrer. Je sais que tu t'es inquiété, mais bon. Oui, je commençais à faire un peu de soucis en même temps. Vous pensez... T'es beau, une cigale ou une fourmi, tu vois. C'est beau pour les fourmis entre elles. Moi, je ne sais pas comment elles se draguent. Ou si elles ont le temps, elles bossent tellement, les fourmis. Je me demande si elles ont le temps de baiser, toi. Non, c'est les cigales qui baissent. Non, je parle. Hein? Tu crois que les cigales baissent plus que les fourmis? Je pense que les cigales baissent plus que les fourmis. Enfin, c'est une idée que j'ai en même temps, c'est peut-être pas ça. Le mec, des grandes questions métaphysiques. Putain, c'est possible. Ce serait donc ça que quand on les entend faire... Je pense que c'est non-stop. Et moi qui croyais que c'est qu'elles frottaient leurs ailes. Bon, et alors, je te vois avec des cartes. Ah oui, mais ce sera pour tout à l'heure. J'ai d'abord une ou deux choses à demander. Ouais, tu veux de l'argent? Il y a la femme qui a... Je peux pas dire j'ai d'abord non. Quelque chose à te demander. La prochaine fois qu'on vous retrouve, comme ça, c'est au Casino de Paris, à partir du 25 non, octobre. Non, j'y étais déjà allé. C'est au Cirque d'Hiver. Au Cirque d'Hiver, ouais. À Paris. C'est à pas loin, partir remarque, du 25 octobre et jusqu'au 14 novembre. Et ensuite, en janvier et en février, en tournée à travers la France. Ouais, je vais aller chanter avec les gens. Merci pour ce soir. Ok, salut, merci à bientôt, aussi. Ça.